Et voilà, nous voilà arrivés sur le parking. Nous allons commencer à looter Antoine. Attends, prends la caméra. Bon, on est. Jake, merci d'être venu pour ce premier numéro des Hard Losers. Merci de l'invitation. Qu'est-ce que tu espères trouver sur ce vide-grenier? Des jeux. Alors, c'est le vide-grenier qu'on fait, enfin que je fais en tout cas le plus souvent le dimanche. Toi, je sais pas si tu viens souvent. Ah non, j'ai pas l'habitude, non. Déjà, me lever un dimanche, c'est épique. Non, ça vient de rouvrir, hein. Ça vient de rouvrir, on va vérifier de suite. Je suis pas très confiant, hein. J'avoue, pas très confiant. Moyen. Surtout qu'il y a pas mal de monde ce matin. Ouais, on va aller négocier sec. Ça va être compliqué. Ouais. Allez, voir au niveau, je pense. Allez, on y va. Allez, on y va, let's go. Allez, voir un peu de challenge. Ah, des papous. Des casquettes et des bocaux. Tu veux pas des assiettes? C'est pas mal. Non, c'est une très belle desserte. Certes, très honnêtement. Non, pyramide. Oh, et en tête avec Patrice Lafont. Oh putain. Non, j'ai rien dit. Il y a du DVD, mais il y a tout. Ah, c'est des DVD. Il y a du Sonic X et il y a la collection. Complète. Mais si quelqu'un veut se faire un bundle Sonic X, il y a la collection complète. Je crois que c'est la portugaise. C'est là. Un euro, bonjour. D'accord. Bonjour, merci. Ah, c'est pas trop ça cher. Va. Un euro, tu peux avoir une collection DVD. Ça me faisait plus cher que ça d'habitude. Non, ça va, c'est bien. C'est dur. On attend une seconde. Oui. Pour la monnaie, j'ai redonné les 2 euros tout à l'heure, mais attends, je regarde si j'ai 50. Ah non, il n'y a pas de compartiment athée. C'est de la oui. Non, t'es berné toi aussi. Tiens, prends-toi ça dans les dents. Et du foot. FIFA 8, FIFA 14. Incroyable. Tu vois, tu me disais qu'il n'y avait rien. Ancient Sparta. Ancient War Sparta. BioShock, excellent, très très bon. PC, hein. Ah, je crois que là il y a True Crime New York. Oui, je vais pas le sortir parce qu'il est très 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 en bas, mais il y a True Crime New York également. Et du PS3. Et Oblivion, incroyable. Là, tu vois, si tu souhaites compléter. True Crime. Et puis il est épais celui-là. True Crime. Et Oblivion. Ouais, sinon les deux jeux PS3, mais je crois que le moto je l'ai pas, mais Assassin's Creed je l'ai. Ah. GPP, ça c'est un des derniers en plus, hein, qui était sorti sur PS3. Vu que c'est le dernier logo, ça fait partie des derniers jeux sortis sur PS3. Il est tellement nanar. Je te connais pas, mais c'est qui avec qui? Il fait vraiment pirate, quoi. Avec les sous-titres français. We French Subtitles. Ah, mais me le faut. Il y a des explosions, s'il te plaît, derrière. Il y a des explosions. Mais oui, regarde, il y a des explosions. Ah, je prends. Flamme, explosion. Ah, je prends. C'est un bon combo. Mmh. Tu prends Joe? Tu prends toi? Là, je suis obligé. Ah, prends, vas-y. C'est si beau que ça. c'est magnifique. Bonjour, vous le faites à moi. Deux. Pas de jeu. Non. Bill Clinton. Fais attention, l'autobiographie de Bill Clinton, c'est peut-être. tu passes peut-être à côté de quelque chose. Yo-Kai Watch. Pas des livres sur Al Pacino. Je me dis que là-bas, avec les jeux PC, c'était peut-être la meilleure trouvaille de la journée. Oh punaise, va falloir y retourner, essayer de gratter un prix. Oui. Oui, non. Ouais. On va voir si on va essayer de prendre le lot. À combien il fait le lot? C'est ça, on va essayer de gratter un prix. On va gratter le lot juste pour avoir le prix. Et les DVD Sonic ça, aussi, ça pourrait être pas mal. Ah, pourquoi pas. C'est trop le nana. Oh, elle a pas crétin. Hein? Oh, elle est pas de misère. Hein? Ouais, elle est trop de misère. Là, s'il n'y a pas un Zelda, un Sonic, un Batman, c'est bien. Là, tu as un peu guépi si tu veux. Ah ouais, non, c'est pas. Ça peut.
Ça peut plaire, hein, ça. Plaire à quelqu'un, hein, mais bon, pas moi. Là, tu as la collection complète de Dr. Quinn, si ça t'intéresse. Dr. Quinn, fun. Oui, la collection complète. Oh, mon Dieu. Vas-y, tous. Oh, oui, my God. J'ai bien l'impression. J'ai jamais réussi à regarder un épisode, je crois que je vais réussir à regarder l'intégrale. Là, tu as aussi les Tom Sawyer, tiens. Ah, Tom Sawyer, à la rigueur, oui. Tain, ça rappelle les souvenirs, tu vois. Tom Sawyer, voilà, on pense de suite à la vie. Symbole de la liberté. Donald Trump. On est passé là déjà. Oui. On n'est pas rentable sur l'histoire. Ah là, moi je pense qu'on, absolument pas. On va couper à travers le. À travers champ. Ah ouais. Toi à droite. Toi à droite aussi. Il y a pas mal de câblage. Câblage, c'est putain. Intéressant. Ça peut être bien un câble. Qui dit câblage. Ouais, un câble. Allez, on va chercher qui dit un câble. Câble. Ça peut être bien, tu vois. Oui, ça fait beaucoup de câbles. Effectivement. Ça fait beaucoup de câbles, en fait. C'est tout des chargeurs de téléphone. Hein? Ah, c'est tout des chargeurs de téléphone. Je traduis pour le... D'accord, merci. Et là-bas, ce que tu fais... Non, c'est bon. Ça prend le coup. La réponse est non. Parlons, oui. Par contre... Je vais écraser les sciences. Ça sent le nanar. Panic Room, de la musique, un mec dangereux, l'île au trésor. Le trésor en version pourrie, quoi. Je me demande si c'est pas version Mondo Kinématique. Spider-Man, Street Low. 1 euro. Ah non, ça va. Au tout puissant, un plat de dessin. Plat de dessin gelé. Un Jim Carrey et un plat de dessin. Donc ça. On essaye de compléter nos collections. Voilà. Hip-hop, show, Till Draw You Drop. J'aime bien le hip-hop, mais bon, ah, voilà. Ça, c'est tout. Il y a de la figurine. Il y a de la figurine. Bon, c'est pas de la figart, mais... Oh. Ah, tes yeux. Toi aussi, tu l'as vu. Waouh, ça c'est du... Toi aussi, tu l'as vu. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est pas Xor, c'est pas Bioman. C'est Bioxor. Et ça, c'est quoi, ça, déjà, Charlie? Je connais ça. Ça, c'est 20 milieux sous les mers. J'en sais rien, non? C'est quoi, ça? Ah. Dans les commentaires, ils vont nous le dire, ce que c'est. Parce que, franchement, Rescue Mission, ça me dit quelque chose. Hein. Il me semble que c'était un très vieux sous grand-mère. Je crois que c'est un très vieux. 20 000 vieux sous grand-mère. C'est pas la même. Ça, c'est l'adaptation des films. Il y a du S, du M et du L. Voilà, lâchement, il faut bien corriger. Merci beaucoup, madame. Merci, putain, il n'y a pas... Il y a des barbeurs, des chefs. Ça y est. Non. Là-bas, on n'a pas fait. Ça coûte. Oh, ça sent la vie. Jeu de foot. Du Call of et du foot. C'est exactement ce qu'on voulait. Hein. Je déteste que c'est les tarifs marqués dessus. 5 à 5 euros, ouais. Enfin, 5 euros sur PS3, ouais. Je crois que je vais passer mon tour. Oh, regarde le tableau vintage. Ah, ça c'est fait maison. Ah, ça c'est pour les... C'est collector. Et il y a même Johnny, tu vois, il y a Johnny, il y a Clo-Clo. Est-ce qu'il y en a un qui est encore en vie? Techniquement. Sheila. Sheila n'est pas morte. Sheila n'est pas mort. Alors, rappelle-nous quand est-ce que sort ta prochaine vidéo. En 2021, j'espère. Bon, ça va. Oui, oui, oui. Il est bien, hein, mon tableau. Ah, il est original. Ah, hein, ouais. Christophe, il y est passé. Fugain. On cherchait que lesquels sont encore vivants. Quelques temps vivants, c'est vrai. Il doit rester un Bee Gees encore. Bon, Jan Manson. Ah non, c'est peut-être. Jan Manson est vivant. Les Beatles, qu'est-ce qui reste en Beatles? Il reste. McCartney est encore en vie. Eh oui. Il y avait jamais un billard. Quoi, billard c'est ça, avec un flipper, une bande d'arcade. Et là, ça donne une belle ambiance. C'est vrai, hein?
Et puis ça, alors, ça c'est vraiment unique. Hein. Ouais. Ça, c'est le fruit de mon esprit, ça. C'est le résultat. Il aurait fallu même un jukebox. Avec un jukebox dans la salle. Déco en briques, briques rouges. Ouais. Alors là, ça viendra un jour peut-être. Après, j'ai mis à 15 euros, mais je trouve que bon, j'aurais pu le mettre même plus cher. Mais bon, allez, à un moment donné. C'est les soldes. Bon, non, je vais pas le prendre, tu veux rire. Après, si ça fait plaisir, que là. Parce qu'il est encombrant. Tu sais, parce que si t'as vu les raboutins, 2 euros les 4, avec les petits plats. L'autre, les 5 qui arrivent. La grande chasse au sanglier. Il est mort. Putain, il est mort. Ah bah oui, la chasse au sanglier. Le sanglier, il est blister. Désolé, si vous êtes 5. Ah, le son blister. Le son blister. Incroyable. C'est la 10, non. Ah non, 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 elle vous sent pas. C'est goldé, ça. Tu sais que c'est goldé. Non. Non, non, pas de JV. Petit panier de basket. C'est pas en deux, les tu sais, pour s'entraîner en temps de confinement, ça va. C'est 1 euro. Au pied du lit. Ou alors, non, tu sais, t'es dans tes toilettes, si t'as un mur en face, tu peux mettre un panier. Aussi. Ça, c'est mais parfait. Faut tu peux t'entraîner assis. Eh oui, mais faut retrouver un système pour que la balle revienne. Hein. Vas-y. Oui. Oui. Le talent. Il y a de la figurine, là. C'est plus mobile. Il y a de la fille. Oh putain, une figurine Jean-Claude Van Damme qui fait le grand écart. Ah oui, Jean-Claude Van Damme. C'est vrai. Moi, c'est quelqu'un qui m'a mis comme ça. Ça lui donne de la valeur, hein, faut pas croire. Hein. Peut-être. Il y a sûrement des touristes belges que ça peut intéresser. Et sont-ils arrivés, les Belges? Ah, est-ce qu'ils ont le droit de sortir de chez eux? Je ne sais pas. Je me le demande. Putain, je crois que c'était un Teletubbies. Oh ça, tu sais quand il y a un œil qui se lève et l'autre qui reste fermé, ça fait vraiment peur. Pour une déco un peu film d'horreur. Ça alors. Oh putain, le couteau électrique, t'as pas connu ça. Oh une Wii. Une Wii. Ah oui, une Wii. Et des accessoires là-bas, une nunchuck, volant. Oh la totale. Ah oui. T'as même le socle. Oh le volant. Ouais. Tu sais que le socle c'était rare de le retrouver. Mais tu sais, je suis plus hypé par le couteau électrique. T'as pas connu ça? Couteau électrique Moulinex, 74 francs seulement. À l'époque, c'était la star des cuisines, ça. Ça, c'était pour couper ton poulet, ton rôti. En même temps, à l'époque, tout ce qui sortait pour les ménagères, ça devenait la nouvelle star des cuisines, de toute façon. Mais c'est de la merde! Ah ouais. Et en plus, il marche encore. Bien sûr. Si il marche pas, vous le ramenez si vous prenez. Hein. Ça va. Avec ça, tu coupes un dino, Charlie. La console, oui, vous la faites à combien? À 10 euros. 10 euros, ah ça va, ça va. Vous la voulez? Je réfléchis, mais c'est un bon prix. Bien sûr. Oh! Mais des petits disques aussi. Pierre Perret. Ah, il faut avoir l'appareil. Enrico Macias. Enrico Macias. Là, là, c'est pas mes préférés. Hein. Ah, mais moi je suis c'est fan. C'est chanteur, ça. C'est vintage, quoi. Ah, ouais. Moi je suis rock'n'roll plutôt que... Mais tu viens tous pile et... Premier baiser. Rock'n'roll, oui. Premier baiser, le générique de la série, premier baiser, la série d'Abbé. Les compagnons de la chanson. Vous ne connaissez pas ça? Ah, non. Pacifique. Quelle musique? Pacifique. C'est là, là-dedans, Mireille Mathieu. Oh là là. Oh, Tino Rossi. Tino Rossi, petit Papa Noé. L'Ajaxienne, Dio Salve Regina, Ochucharel, la complainte corse. Vous savez ce qu'il était, Tino Rossi, quand il était jeune? Ouais, tu remontes du côté d'Ajaccio. Oui, Ajaccio, d'Ajaccio. Vous savez ce qu'il faisait? Non. Il était pêcheur. Ah. Il était pêcheur. Il s'est fait remarquer une fois par un imprésario. Et il l'a lancé. Je vais vous prendre le Tino Rossi. Ah, et Tino Rossi. Bon, on est déjà, on n'est pas bredouille. J'ai ramené un disque de Tino Rossi. Il y a de la jaquette, ça va putain. Par là-bas. Il y a un FIFA déjà. Suivez l'annonce, ça fait peur. Oh, suivons Jackie. Là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd. Jackie, le guide. Le Messi. Incroyable. Le Lionel Messi, même j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a que des jeux de foot.
gros soccer, ça existe encore ça. Je vérifie si l'enregistre. Malheur, on arrive trop tard. Ouais. Je suis sûr qu'il y avait des super jeux quand on arrive. Je suis sûr. Ben 2020. Autre que des jeux de foot. Oh, c'est pas le truc genre Akinator là. Je crois pas. C'est quoi, c'est une faute. Il fallait faire la collection il y a bien longtemps. Ça me parle ça. Hein. Star Wars Monopoly. Oui, il est bien. Il y a les personnages dedans. Il est récent. Tu vois ? Oui, bien sûr. C'est fait pour. Hein. Il est récent. Il est complet. Ah oui, enfin, bien sûr. Tout ce que je pense, c'est complet. Après, les Monopoly, ce qui est bien, c'est que bon, on peut toujours les compléter avec d'autres au pire. Oui, aussi, ouais. Ouais. Non, mais il est complet. Ouais. Il est complet. Ah, il me fait un peu de l'œil. Vous le ferez à combien, celui-là ? Ceux-là, je l'ai fait à 8. Ceux-là, à 5. Et ça, à 3. À ça. Peut-être que je te double avant, peut-être. Ça va. Ah, t'as du fric ? T'as du fric, toi, depuis quand t'as du fric ? T'as tout dépensé hier dans les crêpes ? Non, j'ai pas moi. Ouais. J'ai pas mangé les crêpes avec moi. J'ai pas. C'est ça, ouais. Et j'ai gardé l'argent. On va se battre. Hein. Allez, on fait une bagarre. Celui qui gagne, il gagne. Pour les Star Wars. Bon, je réfléchis. Ouais. Pire, vous faites un chifoumi. De l'œil. Pas de soucis, pas de soucis. Pire, vous faites un chifoumi. Hein. Ouais. Petit con, il croit qu'il va me devancer comme ça. Ah mais on va devoir vous battre. Hein. Comme ça ? DVD. Ah oui, DVD. DVD, il y a plein de DVD avec moi qui est prêt. Ça m'a très content quand c'est DVD violet. PlayStation. DVD, alors chez lui, des fois, il y a des trouvailles. Ah, c'est bon. Ah. Le bac à jeu. Je l'ai trouvé. Ah oui. Et c'est oh, et non, c'est du jeu de cheval. Ah bah c'est encore mieux. Sandra Lederman, la fille de Paul Lederman. Du Sandra Lederman. Tu vois la cagole. Il y a quand même The Last of Us. Avec glissé parmi nous. Avec Garou. C'est celui avec Garou. Je ne sais point. Garou l'intermittent. Et avec Patrick Fiori aussi qui chante normalement dedans. C'est un Sony Music. C'est tout ce qu'on a. À 3 euros, je le prends. Il t'intéresse celui-là ? Bah non, c'est celui qui est dans la série. C'est pas à 3 euros. Bon, après, The Last of Us, je l'ai déjà, mais. Je me demande si c'est pas un bon investissement. Oh, il y a de la manette. Ah oui, il y a de la manette. Mais ça, c'est de la manette PC. Elle est populaire, tu vois. C'est pas une espèce en disparition, la vitesse. Voilà. Ah, regarde. L'avantage, c'est que tu as l'autorun. Charlie. Oh, ça m'intéresse. Sur celle-là, t'as l'autorun, regarde. Oh putain, génial. C'est top, hein. Oh, c'est rigolo ça! Bah, ça pour les mémos, c'est génial! T'as vu ça pour Cyril de Point d'Euro? Ah oui, ça pour. En plus, elle est en bon état! Hein. Faut que ça va! Eh là, vous avez pas vu? Oh, y'a un qui veut gagner des millions sur PS1! Ah, celui-là, je l'ai! Je l'ai aussi, mais je crois que j'ai pas cette version. Je crois. Eh, ils ont sorti au moins deux versions! Oh, je l'ai non plus, j'ai pas! Ouf! Bien, Counter-Strike Anthology. Oui. Donc il y en a plusieurs. La collection complète de Counter-Strike inclut la version originale du meilleur jeu et Counter-Strike Condition 0. Putain, si j'avais le bras long. Vas-y, Jack. Tu sais quoi ? Moi, je prends. Je réserve ça de côté, je vais de l'autre côté. Ah, tu vois, on a trouvé là. On est mieux que la Fnac là. Ouais. Ah, ouais. Skyrim. Call of 4 sur Blister. Un bonhomme. Ah putain, t'as connu ça, Charlie ? Non. C'était un des premiers jeux point and click de Pendulo Studio. Vraiment très bon en point and click, mais super dur par contre. Ah, ça c'est un clignotant. Non, ça c'est un truc. Oh bah tiens, Charlie.
Myst. C'est culte ou c'est pas culte? Culte. Oh, ça, Myst, oui. Ah ben, ça, oui. Hein. Archi culte. C'est pas culte, c'est archi culte. Eh non, je suis obligé. Alors, ça. Plus ça. Et toi, le million, là. Le million. Tu le veux, le million? Le million. Allez, tiens, je te donne. Allez, le million. Le million. Je te donne le million. Allez, ça. Oh, ben, on a vu pire. Hein. On a vu pire, hein, tu sais. Bah, les manettes Nintendo là avec les trois. Oh, arrête, la manette Nintendo 64, elle est très bien. C'est juste que vous savez pas critiquer. Oh, c'est vous savez pas avoir une belle manette quand vous envoyez. Oh, c'est un vaisseau spatial le truc. Oh, la petite télé, comme elle est mignonne. 4 euros. Oh. Ah, tu prends Myst aussi du coup. Ouais, ouais, je le prends. Je le prends. Et voici le film. Ça, c'est un bon. Combien pour tout ça? Ça fait 5. 1 euro. 2. 3. 8 euros. 8 euros, ça me va. 2. Merci. Allez, c'est bon, 9 euros, merci, c'est bon, allez, merci, c'est bon. Allez. Bonne journée, merci bien. Merci, au revoir. Allez, bonne journée. Merci. Non, là, il n'y a même plus du PSP. Pour le coup, non, il n'y a pas de PSP. Il y a du PS3, enfin, j'ai envie de dire même du PUS. Du moins que ce n'est pas du PS, ça va. C'est quoi ça? Ah, PUS, un jeu de tennis aussi, quand même. Non, là, oui, c'est une boîte. Pascal Obispo en live. Ah, toi, tu voulais pas passer avec ton Monopoly ou quoi, non? Alors, je l'ai vu à 4 euros. Non, je l'ai vu à 4 salopard, tu l'as eu à 4 euros. Il t'a devancé. Je l'ai vu à 4 euros. Bon. Il a eu le Monopoly Star Wars à 4 euros, on va se battre. Je vais récupérer mon Monopoly et je vais prendre aussi les 4 euros qu'il devait lui donner. Je lui ai dit, bah donne-moi, je le veux bien à 6 euros. Je m'attendais qu'il me dise non. Il m'a dit non. Oui, je vous aime bien. Donc et après, il me rend 4 euros, il me rend 6 euros. Bon, attends, je vais aller le voir, je vais lui donner 5 euros, je vais dire il est à moi. Donc là, tu t'enfuis, tu vas très loin maintenant. Ah, petit con, ouais. Bon. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on tente je sais pas, non. Je suis quand même bien. Malheureusement, j'ai pas de session de rattrapage là. Pour le coup, je vois pas qu'est-ce que je vois pas. Non, on est bien. Puis il y avait sur quoi? Surtout du PC, PS3, il y avait un jeu de PS4. Deux jeux de PS4 et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Et il y avait du jeu de foot. Par contre, il y avait une quantité de jeux PC, c'était beaucoup de jeux PC. Toi, t'as ton qui veut gagner du million sur PS1. Ah, oh, ça y est. Le seul jeu de PS1 d'ailleurs qu'il y avait dans le coin. Exactement, ça se fait de plus en plus rare des jeux PS1. J'avoue. Bon, ça, c'est que ça doit être coté 1 euro. Hein. je te garantis. Qui veut gagner 1 euro. Qui veut gagner des millions. Est-ce qu'il est rempli déjà lui? Alors justement, est-ce qu'il est vraiment complet? Ah, y a quand même la notice. Bon, après les billets, tu peux jamais savoir, mais bon, ça. Oh, écoute, il y a même des billets vraiment. Ils ont l'air, attention. Hey, ils ont pas l'air déchirés. Oh, ils sont pas pliés, rien quoi. Ils ont l'air neuf. Les cartes. Par contre, il y a tous les jetons, je dirais. Les cartes, il est un peu maigre le paquet de cartes, non? Il y a pas un peu plus d'habitude. Bon, après, au pire, tu rajoutes les cartes d'un. Ah, il y en a un petit peu qui traîne par là, c'est pour ça. Il y en a un peu. Mais après, le plateau, il a l'air cool et tout. Au pire, non, il a l'air propre. Il a l'air propre. Il a l'air cool. Il est propre. Ouais, ouais. Il est propre. Très propre. Oh. Belle affaire. Bon, d'habitude, il n'y a rien. Et là, il faut se satisfaire du nécessaire. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Alors un petit The Last of Us, alors je sais que je l'ai déjà, mais il va me servir pour des échanges très certainement. Un petit Myst sur PC, un petit jeu PlayStation, qui veut gagner des millions. Alors là, la France entière doit se foutre de ma gueule, foutez-vous de ma gueule dans les commentaires. Et un disque de Tino Rossi quand même, et une petite bandoulière pour votre téléphone. Ah, tu l'as prise. La PlayStation quand même, qui n'a certainement rien d'officiel, certainement rien. Mais écrit Made in China. Oh ça oui. Très certainement. Puis la question c'est quel téléphone tu mets là-dedans, tu vois. Attends, il y a quelque chose au fond. Oh, et je vais le garder, tu vois, parce que c'est moi qui ai trouvé. C'est un loot dans le loot.
Un cercable. Un cercable pour votre manette PlayStation, justement. Voilà. Énorme, énorme. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut se satisfaire de peu ici. Et malheureusement, ça fait longtemps qu'on ne trouve plus de choses prestigieuses. On retentera le coup quand même. On va pas revenir, tenter le diable et revenir la semaine prochaine. Non, parce pas que là, tout de suite. On a déjà vidé, à mon avis. Il faut récupérer nos émotions là. Bon, il faut attendre que le poisson se reproduise un peu. Il faut pas venir c'est pêcher important. Toujours au même endroit. Donc on attendra un petit peu. En tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que tu es quand même satisfait de tes achats. Oui, bien, bah, c'est toujours sympathique. Voilà. Le plus satisfait, c'est lui là-bas, c'est Jackie, je suis sûr. Enfoiré. Alors, Jackie, il fait pas du tout partie de l'équipe, il s'est incrusté, il a pris le plus beau lot de la journée. C'est lui. Bravo. Et que moi, pas cher en plus. Hein. Et pour pas cher. Bon, là, il est temps d'y aller. Ah ouais. Bon, allez, il est temps d'y aller. Merci et à bientôt. À la prochaine. N'oubliez pas de. Hein.